Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de gameplay cette fois-ci. Et donc on va attaquer le round 4 de la route du labyrinthe. Alors ça fait longtemps que voilà, j'ai pas fait de vidéo de ce type. Tout simplement pour regagner un peu de soins et tout. Et là on arrive justement à la péremption de mes premiers soins regagnés. Donc du coup, voilà, je me lance. Je pense que ça va être vraiment dur. J'ai regardé un peu les bornes et il va vraiment avoir beaucoup, beaucoup de trucs compliqués à battre. Hein. Mais on va essayer de faire le max. Hein. Donc du coup, j'ai pris comme équipe donc Docteur Vaudou. Docteur Vaudou qui va me servir pour Thanos, entre autres. Pour War Machine. Pour War Machine, il va énormément me servir. Vous allez savoir pourquoi. Et pour Punisher, peut-être. Voilà. Ensuite, j'ai pris Falcon. Falcon et Crossbones. Falcon, Crossbones, pourquoi? Parce qu'ils me serviront à ne pas me prendre l'armure à pointe. Parce qu'en en fait, il y a armure à pointe. Donc, c'est le... Voilà, je vais vous en parler juste après, même si on l'a déjà vu. Rocket, il va me servir pour Wolverine. Parce que Wolverine va être vraiment très dur. Et je pense que je vais devoir me réanimer pas mal sur lui. J'ai pris Guillotine pour aussi combattre ce Wolverine. Et voilà. Donc, j'ai pris à peu près cette équipe. Voilà, pour être pas mal, quoi. Voilà. Donc, on est parti. Donc, on va commencer avec Kamala Khan. Donc, Kamala Khan qui va avoir... Donc, j'ai regardé un peu les bornes. Hein. Donc, merci à Véronique qui m'a donné gentiment en commentaire du round 3. Parce qu'elle a vu que j'avais pas mal galéré. Justement, le dossier avec toutes les bornes et tout. Donc, du coup, j'ai vraiment regardé ça avant de venir. Enfin, avant de faire cette vidéo. Pour vraiment me préparer et prendre une équipe, justement, en fonction de ces bornes. Donc, on va commencer avec Kamala Khan, qui va normalement pas être trop dur. On va essayer de pas perdre de personnages dessus. Donc, elle a Fury améliorée, et plus elle perd de vie, plus sa résistance augmente. Donc, moins on peut lui enlever de vie. Voilà, donc on est parti. Hein. Donc, les plus durs, ça va être Punisher en deuxième, War Machine... peut-être Yellow Jacket un petit peu et Wolverine surtout. Voilà. Donc Miss Marvel, donc comme vous voyez, Fury améliorée, survivre plus longtemps. Donc voilà, en fonction de la vie perdue, elle réduit les dégâts jusqu'à 20%. Et donc l'armure à pointe, ça fait que ça augmente la résistance physique du champion pendant 20 secondes. Non, pendant 5 secondes de 20%. Mais ça va renvoyer surtout les dégâts en dégâts physiques sur moi. Donc c'est plutôt embêtant. Hein. Mais bon, on va essayer de passer outre ça. Bon, c'est vrai que par contre, ils ont beaucoup plus de vie que moi. Hein. Et beaucoup plus de vie qu'au round 1. Donc, voilà, on va essayer quand même d'aller à un bon niveau. Donc, on va utiliser pour ce round, on va utiliser Crossbones. On va utiliser Crossbones. Allez. Donc, on est parti pour... ce premier combat. On va essayer de monter en Fury. Qu'elle la lâche son attaque. Ah bah non. Bon, au pire je recommencerai si mon départ est pas bon. Voilà, enfin. Ce qu'il faudrait, c'est la tuer en un coup. Hein. Pas perdre de personnage dessus. Si je perds un personnage dessus, je recommence. Ok, donc je crois que ça va être mort.
On va quitter, bah voilà, parfait. Je vais recommencer, hein. Je vais recommencer parce que voilà, je peux pas perdre un combat, je peux pas perdre surtout Crossbones, je peux pas le perdre sur le premier combat, c'est pas possible. Donc là, on a vu qu'elle en sait pas beaucoup ses super pouvoirs, donc c'était un peu embêtant parce que voilà, j'ai pas mal été sur la défensive et du coup, je prenais pas mal de dégâts. C'est pas grave, on recommence, hein. De toute façon, c'est le premier, donc c'est pas hyper grave, hein. Y a rien, voilà, on va essayer de faire un bon départ, pas comme les autres fois, quoi, parce que les autres fois, j'aurais pu quitter au premier combat, hein, ça aurait été même plus intelligent, au lieu de perdre énormément de vie comme ça. Et bon, c'est pas beaucoup d'énergie, quoi, ça serait plus d'énergie encore, j'hésiterai un petit peu, là, c'est 3 énergies, je suis plus à 3 énergies près, hein, vraiment. Donc on repart avec Crossbones toujours, hein. Si je vois que ça réussit pas, j'irai peut-être avec Guillotine, même si Guillotine, le problème, c'est qu'elle va prendre 6% de l'attaque à chaque fois, donc c'est un peu problématique. On est reparti. Allez. Sa deuxième est très simple à éviter. Bon, sa première aussi, hein. Mais par contre, elle les fait pas beaucoup, je trouve. La deuxième est plus simple à éviter. Ah, ça aurait été bien qu'elle la fasse maintenant. Ah mince! C'est chiant, elle la fait vraiment pas souvent, ses attaques, elle les fait pas souvent, c'est chiant. C'est vraiment chiant parce que du coup, elle me coince dans mon côté. Et c'est chiant parce que du coup, je perds des vies et je suis vraiment trop sur la défensive. Allez, là, ça serait bien qu'elle la fasse. Allez. Elle l'a fait, mais du coup, mes furies sont plus là, en fait. C'est chiant. Voilà. Bon, on va la faire là, hein. Voilà, ça va la faire monter à sa deuxième barre. C'est le seul moment où je peux vraiment la faire, hein. Là, je vois pas un autre moment où j'aurais pu la faire mieux. Surtout que j'avais quand même deux furies. Ça va. On va pas la faire trop monter au cas où. Là, c'est bien ça. Ça, c'est très bien ce qu'elle vient de faire. Donc, le problème, c'est que je vais pas lancer beaucoup ma première attaque et ma deuxième, hein, surtout avec lui. Pourquoi? Parce que j'ai toujours recul et comment on appelle ça? Courage en bouteille. Ah, on va essayer de la faire là. Ouais, 6, là, c'est très très bien ça. C'est super. Ça arrive beaucoup, beaucoup. Hein. Voilà, 12 000, c'est super. Et on va continuer à l'attaquer pendant que j'ai beaucoup de furie. Hein. On va profiter des furies. Voilà, normalement, ça devrait se faire. Voilà. Bon, c'est plutôt pas mal. On va pas recommencer. Hein. Je pense que là, on est plutôt pas mal. Alors voilà, donc là, on va arriver à un des plus durs, je pense. Hein. Il s'agit de Punisher. Alors Punisher, qu'est-ce qu'il va nous faire? Il a rien d'augmenté, hein, à part l'armure à pointe. C'est juste qu'il va avoir une dégénérescence. Et dégénérescence, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire que je vais lui enlever de vie, plus la dégénérescence sera grosse. Donc ça va être vraiment, vraiment problématique. Hein, vraiment. Donc du coup, donc là, on perdra forcément quelques... Voilà, on en perdra forcément. Donc je vais prendre Guillotine
Pourquoi? Parce que comme ça, je ferai ma dernière attaque si je peux avant de mourir. Et comme ça, je lui enlèverai un certain pourcentage de vie. Voilà. De toute façon, je vais le faire en plusieurs fois ce combat. Forcément. Je pourrais pas le faire en un. C'est impossible. Ah, par contre, si je perds des vies sans la dégénérescence. Ah bah ouais, mais là. Non, mais non, je chie complètement. Et là, on voit que la dégénérescence est énorme. Donc là, on va essayer de lui enlever un max avant de mourir. Voilà, on va essayer de on va faire cette attaque. Donc c'est plutôt pas mal, hein. Je lui ai enlevé quand même pas mal de dégâts avec guillotine. C'est plutôt pas mal. Mais bon, le truc c'est que ça va aller en fait en s'empirant, hein. Donc c'est un peu le problème. Mais la dégénérescence m'enlève pas trop encore. Ah mince, voilà, voilà. J'ai vraiment eu un mauvais timing. Du coup, qu'est-ce que je vais faire? C'est pas grave, hein, guillotine soit mort, je vais la réanimer après. Hein. Je vais prendre Crossbones. Je vais lui remettre des vies. Je vais lui remettre des vies. Voilà. Je vais lui remettre des vies. Et on va essayer de taper un max. On va essayer de taper un max, de voir ce que ça donne. Donc là, déjà, il n'y aura pas l'armure à pointe et ça va pas augmenter sa résistance physique. Donc déjà, c'est une bonne chose. Et si j'ai beaucoup de furie, ça se trouve, son dernier effet ne viendra pas, ça se trouve. Donc, voilà, on va essayer d'aller au max, hein, de ce qu'on peut. Et on voit que mes vies descendent vraiment rapidement. Hein. Voilà, on est plutôt pas mal, hein. Je vais lui enlever pas mal avec cette attaque. Bon, par contre, là, c'est sûr que ça va devenir infaisable. Au niveau des dégâts, hein. Regardez combien je me prends. C'est monstrueux. Allez, dernier coup. Voilà. Bon, c'est plutôt pas mal, hein. C'est plutôt pas mal. Du coup, je vais réanimer Crossbones. Je vais réanimer Crossbones. Et essayer de le finir. Essayer de le finir, vraiment. Donc... Ouais, je vais réanimer Crossbones. De toute façon, j'ai pas prévu... Voilà, je pense utiliser presque toutes mes réanimations, hein, franchement. Voilà. On va essayer de le faire en une fois. Hein. Bah, je vais même lui remettre le maximum de vie que je peux. De toute façon, après, là, ça va être un peu plus tranquille. Après, ça va être un peu plus tranquille. Après, il y a Superior Iron Man, donc Iron Man supérieur. On ne peut pas le purger et son armure renforcée est augmentée. Ça va être un peu plus facile. Je vous montrerai pourquoi. Donc là, on voit que je vais perdre énormément de vie. Je ne sais même pas si j'arriverai, hein, à le faire, mais bon, on va essayer. Ah non, il l'a. Bon, tant pis. Est-ce que... Oh mince, j'avais même pas remarqué. Ah mince. Ah, j'aurais pas dû faire ça, c'est chiant. Ah, c'est chiant, là, j'ai vraiment pas géré, quoi. J'ai vraiment pas géré. Du coup, le problème, c'est que là, il va m'enlever énormément de vie. Donc, on va prendre Docteur Vaudou, parce que Docteur Vaudou, il va se régénérer. Il va se régénérer. Donc c'est celui qui va le moins prendre cher, je pense. Donc, mais même s'il va prendre pas mal quand même, hein, je pense qu'il prendra 3/4 de ses vies. Vraiment. Je pense que 3/4 de ses vies s'enlèveront. On va essayer juste de le mettre rapidement. Ah bah non.
Bah, ok, bah, je suis tombé dans les 15% où voilà, ça le fait pas, donc je suis content, je suis très content. De toute façon, il se régénérera ce qu'il a perdu après, donc c'est vachement bien, c'est vachement bien. Du coup, là, je vais utiliser Docteur Vaudou, justement. Je vais essayer de. Je vais aller à ma deuxième attaque, je vais la faire et ensuite, je vais. Donc, du coup, je vais lui enlever beaucoup plus de dégâts. Donc on va faire ça. Hein. Et au bout d'un moment, dès que tu auras beaucoup de loa, je ferai le poison. Mais je vais essayer de pas trop lâcher d'attaque quand même. Hein. De toute façon, ces attaques, on peut les éviter hein, déjà. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà, déjà, on l'évite. Donc là, on voit qu'il y a 6 loas déjà. Voilà. Voilà, on est bien là. Ah mince, 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 non, 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 non. Voilà, là, on lui enlève beaucoup plus. Voilà. Allez. On va faire la dernière attaque. Donc, très stylé hein, comme attaque. Très très stylé, mais bon, ça enlèvera pas énormément. Hein. Et du coup là, ça va lui drainer son pouvoir. D'ailleurs, je pourrais peut-être faire ça. Contre Wolverine, ça peut être sympa parce qu'il est en tout ou rien, comme je vous ai dit. Hein. Voilà, et là, on est bien. Ah mince, 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 mince. J'espère qu'il est en dessous de sa régène. Je vais prendre Falcon et je vais le scanner direct. Comme ça, on sera tranquille. Super, super. Docteur Vaudou a vraiment fait le taf. Du coup, je vais prendre Falcon, comme je vous ai dit. Donc là, il doit pas être à. Non, il doit être. Ah, je sais pas. Peut-être qu'il est en dessous. Parce que en dessous, c'est 15%. Donc ça fait un peu plus de 15 000 vies. Ouais, donc. Non, il est en dessous normalement. Mais je vais quand même le scanner, hein. Voilà, comme ça au moins on est tranquille, on le sait. Par contre, je vais faire plus de coups critiques, du coup, forcément. Voilà, on est tranquille, au moins on le sait, même si j'ai perdu un peu de vie avec Falcon. Donc là, on est à 3 ennemis vaincus. Donc là, on a un War Machine. Et là, je vais avoir besoin absolument de Docteur Vaudou. Hein. Absolument. Donc voilà. Donc je vais le réanimer. Hein. Ça va, pour l'instant, j'ai réanimé qu'un personnage. Bon, par contre, j'ai 3 morts déjà. Mais j'ai Rocket qui n'a pas servi encore. Et Rocket, il pourra servir pour Yellow Jacket ou pour Scarlet Witch. Voilà. On va réanimer. Je vais prendre 5 ici. Je vais juste faire un petit saut vers l'inventaire. Non, je vais même. Je vais essayer de maximiser mes personnages. Donc, pourquoi? Parce que j'ai utilisé beaucoup trop de réanimations et que les réanimations, c'est beaucoup plus rare que les soins. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais. Donc là, je vais prendre déjà tout ce qui va périmer. Et donc, je vais. Est-ce que j'ai encore des deux? Voilà, parfait, super. Donc j'ai une petite réserve encore. Donc voilà, on est bien. Donc, oui, parce que j'ai usé beaucoup trop de réanimation. Du coup, je vais partir du principe que je régène à chaque fois toutes les vies de mes personnages. Voilà, c'est un petit. C'est un choix. Hein. C'est. Voilà, c'est juste pour essayer de maximiser le truc un peu.
Donc là, Docteur Vaudou, je vais le remettre au moins au-dessus de 10 000. Voilà. Je vais le mettre là. Comme ça, il va se régénérer ce qui reste avec sa régénération. Voilà. Donc, on est parti. On va utiliser ça. Donc, il faut savoir, ce War Machine, il a furie et armure renforcée améliorée. Je vais essayer de lancer... alors là, alors je vais vous expliquer juste avant. Au moment où il va avoir vide le chargeur, donc en gros il va avoir toutes ses furies, toutes ses armures renforcées. Et bah à ce moment-là, j'aurai un maximum de Loa. Le but, ça va être de faire ma deuxième attaque, enfin non, ma première attaque, et de tout lui purger et de tout convertir en poison. Voilà. Donc je réanimerai au pire si j'y arrive pas dès la première vie, hein. Mais je pense que c'est la meilleure technique. Donc là, par contre, je vais rien lui enlever pendant qu'il aura ses furies, hein, ses armures renforcées. Donc je vais essayer de lui faire lâcher un maximum CSP2. Hein, parce que c'est beaucoup plus facilement esquivable. Ah mince! J'ai pas géré. J'ai pas géré. Hein. Ah mince, je l'ai pas fait avec le bon. Oh là là. Je pensais pas qu'il attendait autant pour faire son attaque. Encore? Oh, mais décidément, je fais n'importe quoi. Hein. En fait, je fais n'importe quoi. Ouais, je fais n'importe quoi. Du coup, là, faut faire gaffe. C'est là que je vais commencer à perdre beaucoup de vie. Réfléchissons, réfléchissons. Est-ce que j'utiliserai pas Falcon? Je le scanne, et du coup, comme ça, je lui enlève un maximum de vie. Est-ce que je ferais pas ça? Ou sinon, j'utilise Rocket, et je fais un maximum de vie. Est-ce que j'ai des réanimations d'équipe? Ouais, j'en ai une. Mais c'est peut-être pas la bonne idée. Je vais voir. Là, faut que je réfléchisse. Faut vraiment que je réfléchisse. Falcon pourrait être bien. Hein. Falcon pourrait être bien. Ouais, je vais prendre Falcon. Du coup, je vais essayer de le faire passer en dessous de ses 50% de vie. Donc, je vais le scanner hein, un maximum de fois. Et pour ensuite l'attaquer et pas avoir d'armure ni de résistance physique. Voilà. Voilà. Donc pendant ce moment-là, je vais pas avoir, il va pas avoir de résistance physique pendant qu'il est scanné. Ah mince, je l'ai pas évité, mince. Oh mince, mince, non, non, non. Je fais n'importe quoi, je fais n'importe quoi. On va prendre Rocket, on va prendre Rocket parce que là, faut que je fasse un maximum de dégâts d'un coup. Ouais, mais l'armure, elle va... Ah, il y a l'armure. J'ai fait n'importe quoi, je dois pas me prendre de coups. Je dois pas me prendre de coups. On va ranimer Crossbones. Crossbones, il peut me servir pour un gars comme ça. Il peut vraiment me servir. Donc là, on va en utiliser 15 sur Crossbones. Même 20. Voilà, on va se mettre là avec Crossbones. Hein. Donc là, le but, ça va être de maximiser les furies pour ne jamais déclencher de résistance physique. Un peu comme contre Kalmalakan, on voit qu'elle en a jamais déclenché presque. Donc, voilà, donc je vais essayer de taper un max. Voilà. 5, normalement, il en lance pas, hein, c'est impossible. Bien. Ah,
Là, là, il n'y a plus de furie. Ah non, 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 j'ai pas droit de faire ça. Ah là là, je fais n'importe quoi. Voilà, bon, on va faire ça. On va essayer de lui faire enlever un maximum. Yes. Je crois que je l'ai fait passer en dessous. Je crois que j'ai réussi à le faire passer en dessous. Ah non, je l'ai pas fait passer en dessous du tout. Bon bah dommage. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire là? On va prendre Docteur Vaudou. On va prendre Docteur Vaudou et on va le purger. On va le purger. Donc le but là. De la manœuvre, ça va être de monter et de mettre un maximum de lois, bien sûr, hein, comme d'habitude. On va en mettre 11, c'est bien, ouais, 11. Du coup, voilà, et de faire la première attaque en combo pair. Faut bien que je fasse gaffe au combo pair, bien sûr. Et comme ça, ça va purger tous les effets et lui mettre un poison, il n'y aura même plus à le taper après. Voilà, donc on va tenter ça, hein. Mais il a pas l'air de les mettre. Ça m'arrange pas forcément. J'aurais bien aimé qu'il le mette en fait. Ah mince, 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 non, non, non. Je le fais en combo impair. Ah c'est ouf, je fais n'importe quoi. Bon, au moins là, il est passé en dessous, mais ça aurait été bien qu'il passe pas justement en dessous. Ouais, super. Là. Oh mince, mince, mais pourquoi je me fais taper? Pourquoi je me fais taper? Oh là là, mais non. Ah, c'est incroyable. Faut juste pas que je me fasse taper. J'ai perdu trop de vie sur War Machine, là. Trop de vie. Ah là là! Ah, ça m'énerve quand je perds des vies comme ça, bêtement. C'est pas un ennemi imbattable quand même. Ah là là! Ouais, parce que là, je vais prendre vraiment beaucoup de vies, hein, forcément. Il maximise les coups critiques. Rocket, forcément que je vais me prendre beaucoup de vies, bah oui, forcément. Bah oui. Non, 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 mais non, mais non, mais c'est pas possible. C'est pas possible, mais c'est ouf. Oh là là, mais je gère pas. Pourquoi? J'aurais pas dû prendre Rocket. Rocket, c'était vraiment pas le personnage à prendre, il me sert à rien. J'ai vraiment... Ouais, je suis vraiment pas bon de l'avoir pris. 374 PV, c'est une faute professionnelle de pas l'avoir fait. J'aurais dû faire une attaque puisse... mon attaque moyenne, j'aurais dû le faire sur sa garde. J'ai pas voulu. J'ai fait un pari et c'était le mauvais. Je suis vraiment pas content de moi, vraiment pas du tout. Du coup, le prochain, c'est Yellow Jacket. Non, Scarlet Witch. Scarlet Witch, je vais la faire avec Crossbones. On va utiliser une comme ça. Parce que j'en ai marre. J'en ai marre d'utiliser toujours des potions. Là, je vais bientôt plus avoir de potions et j'ai pas prévu d'utiliser des unités. De toute façon, j'ai des 1650 à peu près, mais... Mais là, c'est pas normal. C'est pas normal que je le tue pas, quoi. C'est pas normal. J'aurais eu Rocket à 50% de mes vies. Ça aurait déjà été bien. C'est pas normal que je me fasse taper comme ça. Ah là là, ça m'énerve. Ça m'énerve quand je perds des vies pour rien comme ça. On voit, là. C'est vraiment pour rien.
J'aurais pu en plus après maximiser un peu tout le truc avec en combattant Scarlet Witch. Je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Même si j'aurais pas fait Scarlet Witch avec Rocket, j'aurais pu faire Yellow Jacket. Bon, elle a super pouvoir 1 imbloquable. Elle a également dégâts critiques et taux de critique amélioré. Je vais juste aller allumer ma lumière. Voilà. Donc on est parti. Donc super pouvoir 1 imbloquable. Il est pas super dur, mais il faut quand même faire gaffe. Donc on va essayer de l'emmener son deuxième au maximum. Hein. Mais si on peut pas, bah. D'accord. Ok. Par contre, alors là, qu'est-ce qu'on fait? Bah, j'ai très mal joué, hein. Comment ça se fait? Pourtant, j'ai l'impression quand même de l'avoir esquivé pas trop tard, quoi. C'est quand même incroyable. Mais bon, tant pis, hein, c'est pas grave. Je vais lui mettre tout ce que j'ai encore là. J'irai reprendre ce que j'ai encore dans ma réserve après. Par contre, ça, j'aime pas. Ça, j'aime pas du tout. Enlever que 6000 vies, c'est pas bon du tout. Donc, faut pas que ça se réitère. Vraiment pas. Donc, comme je disais, faut la monter au deuxième. Parce que le deuxième est pas imbloquable. Mais normalement, je suis censé l'éviter. Hein. Mais non, mais c'est pas possible! Mais qu'est-ce que je fais là encore? C'est pas possible, mais attends un petit peu, attends! Ah là là, mais c'est fou, c'est fou. Pourquoi je me fais avoir facilement comme ça? Deux fois que je perds Crossbones, deux fois. C'est pas grave, je vais prendre la réanimation d'équipe. Hein. Voilà, réanimation d'équipe. Je suis obligé, je suis obligé. Du coup, je fais n'importe quoi. Hein. Je fais n'importe quoi, c'est incroyable. Du coup, je vais prendre ce que j'ai, hein, encore dans la réserve. Il n'y a pas intérêt que je perde une troisième fois comme ça. Pas en tout cas, pas directement. Il n'y a pas intérêt, vraiment pas, parce que franchement, ça, si ça, si, y a rien qui peut plus m'énerver que ça. C'est pas croyable. J'ai pas droit à un niveau comme ça. J'ai plus droit, hein, de perdre comme ça des héros facilement. Je veux bien encore après avoir au moins enlevé 20 000 vies, mais 6000 vies, c'est pas normal. Là, je vais lui enlever encore 6000 vies, quoi. Je vais encore lui avoir enlevé 6000 vies. C'est pas normal. C'est vraiment pas normal. En fait, Rocket, c'est vraiment un poids dans l'équipe. Parce qu'il sert à rien. Parce qu'il va déclencher tout le temps des résistances physiques, en fait. Ça sert à rien. Je comprends même pas pourquoi je l'ai pris. J'ai fait une grosse, grosse erreur. J'espère que je le payerai pas trop cash. Voilà, déjà, on va la mettre au deuxième, là. Donc, ça va me faire un petit peu de. Ouais, super. Bon, je la fais parce que je sais pas. Pourtant, d'habitude, quand on tape comme ça, normalement, je suis pas censé la déclencher. Hein. Ok, elle ne se met pas le temps d'attaquer, de peut-être lui enlever un petit peu de vie. Non, non, elle a aucun respect. J'aimerais bien ne pas avoir utilisé d'unité. Ça serait cool. Du coup. Là, qu'est-ce qu'on va faire? Parce que Crossbones, j'en aurais forcément besoin. Donc là, on a dépassé la moitié, hein, faut le savoir. Il reste plus que 3 ennemis. Enfin non, là on est à la moitié, hein, avec Scarlet Witch. Après ça, il restera Yellow Jacket, Wolverine, qui va être vraiment très très dur, et Thanos. Du coup, là, qu'est-ce qu'on va faire? On va, je pense. Est-ce qu'on mettrait pas Rocket? De toute façon, Rocket me servira. Si, on va le garder pour Yellow Jacket. Ou Wolverine. Contre Wolverine, il pourra avoir son utilité. On va réanimer Crossbones. Je réanime beaucoup Crossbones, hein, mais c'est vraiment le héros qui me sert énormément, hein, dans un truc comme ça. De toute façon, j'ai beaucoup de recharge 1650.
Voilà. Donc, on est parti. Donc, on va essayer de pas se prendre trop d'attaques. Hein. Surtout pas la première attaque. Hein. Surtout pas se prendre la première attaque. Ça serait vraiment catastrophique. Mais là, on voit, on a réussi à la mettre quand même à la deuxième assez souvent. Voilà, on va pouvoir la mettre à la deuxième. Voilà, super. Super, on va pouvoir l'emmener encore, je crois. Ouais. Là, il faut qu'elle la fasse. Voilà, là, on fait ça. Et au fin du combo, parfait. Parfait, super timing. Du coup là, on lui enlève vraiment beaucoup. Et là, elle est à sa deuxième attaque normalement. Voilà, parfait. Et on essaye de terminer. Ah non. Non, 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 pas encore. Mais c'est... C'est incroyable, pourtant elle est facile en versus, j'esquive tout le temps, c'est ouf. Pourquoi je me la prends tout le temps? C'est incroyable, c'est incroyable. Oh, j'ai pas droit de me la prendre. Du coup, on va prendre Docteur Vaudou, comme ça il va pouvoir se régénérer un petit peu. C'est juste un petit bon plan comme ça. Mais franchement, ça m'énerve, on gérait super bien là. Je vais enlever 60 000 vies. Ah bah oui, mais par contre, si là, elle meurt pas tout de suite et qu'elle met en plus poison qui surpasse ma régène, ça va pas être génial. Voilà, donc, d'où le fait que ça aurait été super de la tuer avant. D'où le fait. Hein. Donc voilà, il nous reste 3 ennemis. Du coup, là, on va faire ça avec Falcon. On va essayer avec Falcon. Est-ce que c'est toujours actif pour combien de temps encore? Ah, ça fait déjà 35 minutes de vidéo, enfin plus la présentation. Ça, on arrive à 40 minutes de vidéo, je pense que ça va faire une heure. Hein. Ça va faire une heure. Du coup, je vais essayer de lui enlever un max avec Falcon. Donc là, super pouvoir 1, super pouvoir 2, imbloquable. Oui, super pouvoir 2 également. Non. Non, super pouvoir 1, pas imbloquable. C'est juste que le super pouvoir 2, super pouvoir 1, il va avoir plus de chances de le mettre. Ah mince. Le problème, c'est que j'ai esquivé au moment où il fallait pas. Je vais prendre Crossbones. Crossbones, il va s'amuser, je pense, contre lui. Donc, je vais le réanimer. Hein. Ça va, on lui a enlevé presque un quart. C'est quand même plus facile que les niveaux, que le round 3, hein, même si je dois pas mal me réanimer quand même. Hein. Je dis pas le contraire, mais franchement, ça va quand même, ça va. Donc là, on va utiliser tout ce qui nous reste en stock de ce type-là. Voilà. Est-ce que... On va aller ouvrir des cristaux. On va aller ouvrir les cristaux qui nous restent de ce type-là, les cristaux gratuits, hein. Ça me sert à ça, hein. Donc, parce que pour les derniers, je pense que j'utiliserai des unités, mais là, j'aimerais bien ne pas utiliser d'unités. Du coup, on va en ouvrir. Je vais au moins en ouvrir 100. Enfin, je vais ouvrir pour en avoir un bon stock, quoi, au moins 25 noirs, quoi. Je vais aller jusqu'à 70. Ah, j'ai une réanimation comme ça. C'est bien. C'est bien. Je vais aller jusqu'à 76 dans un premier temps. Voilà. Ça bug un peu. Oh, super. Super, une réanimation de niveau 2 également. Et donc 48 et 8. C'est pas mal. C'est pas mal. Donc là, on arrête. On va en garder. Hein. Si on peut en garder, ça serait super. Hein. Donc là, ça me fait, donc je vais pouvoir encore en remettre à Crossbones.
Alors après, faut savoir que je vais beaucoup leur remettre de vie parce que on va être avant de remettre un boost. Donc là, je pense que mon boost est encore actif, hein. Oui, il est encore actif. J'ai encore le temps. Est-ce que je vais pas attendre? Il reste combien de temps? 3 minutes. Non, 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 je vais pas attendre. Donc là, je vais lui remettre des vies. Donc avec cela en particulier, hein. Donc je vais lui remettre avec 15 d'abord. Donc là, il nous en restera donc 33. Et bah du coup, c'est parti, hein. C'est parti pour Yellow Jacket. Donc faut vraiment faire gaffe à son SP1. Vraiment faire gaffe. Même si je pense qu'il est assez simple à éviter quand même. Même si on voit qu'on se l'est pris et que le Scarlet Witch, jamais on l'a évité. Hein. Mais bon. Il y a un début à tout. Hein. Voilà, super, j'ai enfin évité. Par contre, j'ai pas réussi à attaquer direct. Voilà, super, j'ai réussi à l'emmener à son deuxième. On va le laisser le faire tranquillement. Bah, j'ai failli faire avoir. Ouais, super, super. Je peux l'emmener au SP2 du coup, super. Du coup, il est à la moitié de ses vies. À peu près, hein, à peu près. Mais par contre, faudra qu'il la fasse. Ouais, super. Super, je peux l'emmener, je peux l'emmener. Oui, je peux l'emmener. Super, je lui enlève énormément, c'est bien. Ah non, mince. Donc je vais essayer d'aller jusqu'à ma troisième si je peux. Oh mince. Allez, c'est bon, super. Je vais perdre beaucoup de vie, hein. Je vais perdre énormément de vie. Mais bon, c'est la vie, hein. Voilà. Voilà, super, je vais pouvoir l'emmener aux deux. Super, je l'ai super bien évité là. Allez, là, je peux le tuer, c'est bon. Je lui fais ça. Voilà, super. Super, j'ai pas perdu Crossbone, c'est super. Je l'ai presque one-shot. J'ai juste perdu Falcon. Oui, c'est Falcon que j'ai utilisé. J'ai juste perdu Falcon. Donc là, il nous reste 2. Donc Thanos, ça sera assez simple avec Docteur Voodoo, normalement. Hein, normalement. Hein. Je dis bien normalement. Donc là, normalement le boost est plus actif. Voilà. Donc là, on va se régène pour la fin du truc. Donc, on va utiliser pas mal sur Docteur Voodoo. Parce que Docteur Voodoo va beaucoup nous servir. Donc je vais lui en mettre 5. Contre Wolverine également, il va nous servir. Donc 5. Je vais aller prendre ce que j'ai encore. Et je vais en mettre à Crossbones. Non, pas à Crossbones. Crossbones, je ne sais pas s'il va encore nous servir. C'est comme Falcon, hein. Je vais peut-être garder que pour notre ami Docteur Voodoo. Alors par contre, attendez, juste. Ah, il m'en restera encore. Ah, je vais juste. Non, je les vendrai après. Je vous inquiétez pas. Donc du coup, on est reparti. On est reparti, on est reparti. Donc là, Docteur Voodoo va me servir. Donc je vais faire avec Docteur Voodoo dans un premier temps. Donc là, il a tout rien et immunité étourdissement. Donc ça va être vraiment, vraiment très dur. Je vais peut-être. Ben, je vais remettre ta guillotine également. Voilà. On va remettre ta guillotine. Même si le problème de guillotine, c'est que. Enfin, même Docteur Voodoo, hein, c'est que ça va mettre le truc de résistance. Et ça, c'est un peu problématique. Mais bon. On va voir, on va voir. Donc il a à peu près 100 000 vies.
Ah oui, mais de toute façon, il va aller en tout ou rien. Ah ouais, donc de toute façon, je vais mourir. Oui, je sais pas pourquoi j'ai remis des vies à... Bah ouais, de toute façon, j'aurais pu prendre Magneto. J'aurais dû prendre Magneto même, à la place de Guillotine ou de Rocket. Même les deux me servent à rien en fait. Ouais, j'ai pas bien... Pourtant, je pensais prendre une bonne équipe en prenant ça. Mais non, j'ai pas pris une bonne équipe. J'ai vraiment pas pris une bonne équipe. Du coup là, du coup oui, Docteur Vaudou. Je vais juste vérifier un truc, hein. Pourtant je connais, hein, mais... C'est juste sa deuxième attaque. Oui, ça brûle du pouvoir en coup bon père. Ouais, ça brûle le pouvoir. Donc on va faire ça. Ah oui, mais j'avais même pas remis de boost. Ah là là. Donc là, le but, ça va être de faire la deuxième attaque en combo pair et de l'attaquer à un max pour lui brûler du pouvoir en fait. Je pense que ça peut être bien de faire ça. Non, non, bah non, mais non, mais non. Ouais. Ah mince. Ah là là, j'ai mal joué parce que j'aurais pas dû, la deuxième fois, j'aurais dû faire ma première attaque. Le truc, c'est comme j'ai voulu monter au combo pair, j'ai fait trop de combos et du coup, je suis à monter à la deuxième attaque. Mais j'étais persuadé de faire la première. C'est un peu dommage. Du coup, je vais prendre Rocket. Rocket me servira pas pour le dernier. Je vais réanimer Docteur Vaudou de toute façon. Hein. Là, maintenant, on va faire que avec Docteur Vaudou, hein, de toute façon. Voilà, donc je vais essayer de lui enlever un maximum avec Rocket, même si juste essayer de pas lui remettre de vie. C'est mal parti. Oui, en fait, je lui ai remis presque toutes ses vies. C'est super. Non, bah faut que je perde parce que là je fais n'importe quoi. Du coup, on va remettre Docteur Vaudou. C'était plutôt pas mal la technique. Hein. C'était même vraiment bien. Mais là, voilà, Rocket, vraiment, il sert vraiment à rien. En fait, Rocket, inutile, vraiment d'une inutilité monstre. Du coup, on va utiliser celle que j'ai gagnée. On va mettre les 15. On va mettre une. Donc je vais devoir passer avec des 24, les 24 que j'ai, hein, je vais pas utiliser les 24 bien sûr, mais de toute façon on en gagne tellement que, voilà, tous les deux jours on en gagne une je crois, en faisant à 100% les quêtes basiques, donc comme je les fais tout le temps, ça sera pas un problème. Le tout c'est de pas se faire attaquer, parce que là je me suis trop fait attaquer dans l'autre. Donc il va se régénérer presque toutes ses vies, si ce n'est toutes ses vies je pense.
C'est pas terrible. C'est pas terrible. C'est pas ouf. C'est pas génial, c'est pas génial. Je vais quand même le réanimer, hein. De toute façon, c'est lui qui va me servir. C'est vraiment lui qui va me servir. Je vais passer avec des grosses. Hein. Donc, je vais utiliser ça. Non, je ne vais pas remettre complètement. Hein. On voit qu'avec 4, ça lui remet toutes ses vies. Donc, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Donc j'espère lui enlever un peu plus. Alors il faudrait, pour optimiser la chose, qu'au bout d'un moment je lui fasse ma première attaque. Le problème c'est que là, bah voilà, j'ai pas eu l'opportunité de le faire. Là, comme les deux dernières fois, il faut que je monte à ma jauge de, enfin, à ma jauge de pouvoir 2. Donc déjà... S'il arrive à 3 loas, ça serait super. Voilà, super. Oh mince. Ah, j'ai mal joué. Bon, c'est pas mal. C'est pas mal. Je lui ai enlevé pas mal, mais bon. Je perds trop de vie là. Je perds trop de vie. Mais il est très très dur à passer, hein, ce Wolverine. Très très dur. Hein. Je lui ai fait. Ouais, je lui ai enlevé 12 000. Hein. Le problème de Crossbones. Problème de Crossbones. Ok. Je vais lui enlever beaucoup. Mais voilà, je me prendrai son super pouvoir. Donc je peux tenter. Hein, je peux tenter. Et bah, vous savez quoi? Je vais juste lui remettre juste assez de vie. Juste assez de vie pour... Enfin, de toute façon, je me prendrai le super pouvoir 3. De toute façon. Donc, autant juste que j'aille au maximum de ce que je peux lui enlever. Ah ouais, mais si il déclenche une régène... Oh, il déclenche des régènes. Ouais. Tant pis. C'est plutôt pas mal, hein. Je crois lui avoir enlevé pas mal de vie quand même. Hein. Alors, c'est sûr, c'est pas super. C'est pas super. Mais je pense que je peux même optimiser le truc. En me surpassant dès le début du combat, je pense. Il y a peut-être moyen quand même. Il y a peut-être moyen. Je lui ai enlevé. Ah ouais, je lui ai enlevé 20 000 vies. Donc on va continuer avec Crossbones. En fait, Crossbones est mieux parce que il n'y a pas l'armure à pointe pour Crossbones. En fait, sinon, Dr. Vaudrous serait largement mieux. Mais voilà, l'armure à pointe, ça fait que. Non, donc du coup, on n'en utilise pas beaucoup. Juste assez. Je pourrais même ne pas en utiliser. Hein. Je pense. Du coup, on va essayer de le faire en deux fois. Là, je pense qu'on peut le faire en deux fois. Je pense. Je vais essayer justement de surpasser pour voir si je lui enlève plus. Après, faut pas que ça risque de me faire tuer. Hein. Ah oui, par contre. Ah non. Non, 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 non. Ah là là, j'ai... Je pensais pas qu'en me surpassant, ça ferait ça. Je pensais pas. Hein. Et bah c'est une grosse erreur. Très grosse erreur parce que je lui ai enlevé que 4 000. C'est ridicule. C'est très mauvais ce que je viens de faire. J'utiliserai une... On va quand même en mettre une. On va quand même en mettre une. Donc là je vais plus me surpasser. Ou si je peux vraiment, mais là j'ai trop perdu de vie. J'ai beaucoup trop perdu de vie. C'est vraiment pas bénéfique.
Voilà, je ne vais pas enlever à cette vie. Hein. On voit que en me surpassant. Ah, peut-être là. Ouais, super. Voilà, super. Comme ça régène, il lui a pas tout remis. Du coup, je pense qu'on peut finir. Je pense qu'on peut finir au prochain. Du coup, on va réanimer Crossbones juste légèrement. Juste très légèrement. Hein. Juste pour finir. Normalement, il lui reste 10 000 vies, là. 12 000. Ah. Si je réanime qu'une fois, ça m'embêterait quand même. Ça m'embêterait que... Je préfère assurer le coup. Hein. Je préfère assurer le coup. Au moins, on n'aura pas utilisé d'unité. Normalement, là, si je me fais pas avoir, si je gère bien, normalement, je devrais normalement réussir. Si tout va bien. Voilà. Bon, on est parti. Ouais, super. Super, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Donc, il nous reste Crossbones. Je vais réanimer juste avec une 50%. Donc, de toute façon, j'ai plus de 20%. Non, avec une 40%. Je vais réanimer Docteur Vaudou. Et voilà, donc on est parti. On va être parti hein, pour Thanos. Ouais, pour Thanos. Et on va essayer de lui mettre un maximum de poison. Alors, on va essayer de faire... De pas faire beaucoup de super pouvoirs, hein, mais voilà, de lui faire des dégâts et de convertir un maximum de résistance physique en poison, justement, en venin spirituel. Donc, on est parti avec ça. Du coup, est-ce que je mettrais pas un autre boost? Qu'est-ce que je pourrais avoir comme boost mystique? Ça augmente de quoi? Recharge? Non, c'est pas vraiment de la recharge que je voudrais. Ça, c'est quoi? Montre les dégâts. Ça peut être pas mal, ça. Hein. Mais, comme... Voilà, je vais en utiliser un, et le dernier, je le garderai pour Thanos, justement. Pour l'autre Thanos. Pour le Thanos de... Le Thanos du round 6. Allez, donc là, je peux l'étourdir, cette fois, hein. Oula, 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 je perds énormément de vie. Ah merde. Eh ben en fait c'est pas génial hein. Mais pourtant, je sais pas. Ah je sais pourquoi je disais que Thanos était facile. Ben je sais. C'est parce que pour moi en fait Thanos, en fait j'ai encore dans le souvenir le Thanos du chapitre 2. Le problème de chapitre 2, c'est que c'était pas ça, c'était pas cette c'était quoi comme borne pour le chapitre 2? C'était protection. Et donc protection, ça faisait que voilà, il n'y avait pas l'armure à pointe. Ouais. Du coup, ouais. Faut surtout pas que je prenne Docteur Vaudou en fait. Ah non, Ah, j'attendais plus. Ah, je pensais que ça venait plus longtemps après. Eh ben, je suis un peu déçu, hein. Je suis un peu déçu parce que je lui ai vraiment enlevé très très peu.
Faut que je fasse gaffe, hein. Faut pas que j'use plus de réanimation que j'ai de vie. Que j'en ai, hein. Parce que là, ouais, plus que 4. Et là, j'ai vraiment usé beaucoup trop. Oh là là, j'ai usé beaucoup trop. Ouais, faut que je fasse gaffe là. Faut vraiment que je fasse gaffe parce que là, je commence à faire un peu n'importe quoi. Ouais, mais prochain, je réanime Vaudou. Parce que Docteur Vaudou, c'est un peu dommage que j'utilise pas alors que j'ai utilisé le boost. Donc voilà, je vais réutiliser Docteur Vaudou après pour convertir un max, hein, comme j'ai fait tout à l'heure. Ouais, mais si. Bah ouais, mais s'il fait jamais son attaque aussi, si ça cheat comme ça. Ah bah ouais, mais arrête un peu. Arrête, non mais c'est bon, faut arrêter un petit peu là. C'est bon, je veux bien être sympa, mais là, faut peut-être pas abuser, quoi. Il fait jamais son attaque. En plus, il a le bouclier cinétique. Qu'est-ce que je peux faire, moi? Qu'est-ce que je peux faire, vraiment? C'est un peu lourd. Là, franchement, là, ça c'est limite. Voilà, c'est se foutre de ma gueule. C'est vraiment se foutre de ma gueule parce que je suis désolé, mais là, voilà, faut peut-être pas abuser, quoi. Le gars, il lance jamais ses attaques. S'il lance jamais ses attaques, qu'est-ce que je. Moi, je peux rien faire. Je peux vraiment rien faire. Voilà, c'est. J'aime pas ça parce que là, je pouvais vraiment rien faire. Le truc, c'est qu'il faut pas que je fasse parade souvent. Donc là, je fais au début du combat, mais. Donc là, faut qu'il fasse ça deux. Faut qu'il la fasse, hein. Faut pas qu'il m'attaque comme ça, hein. Allez là. Sérieux. Oh non, mais non, mais. Oh là là, non, mais c'est ouf. C'est ouf. Vraiment, c'est ouf. Qu'est-ce que je peux faire, quoi? Un moment, faut arrêter. Ça me tape vraiment au dernier moment, quoi. La dernière lueur de l'attaque, ça me touche. Non, mais. Attends, faut que je réfléchisse. Parce que là, j'ai quand même perdu 4 persos pour 50 000 de vie. De toute façon, c'est Dr. Sang. Parce que Crossbones, non, ça n'a pas un bon effet. Mais là, là, je pense. Oh, non, mais non, ça m'énerve du. Non, bah non, je vais rouvrir des cristaux. Je vais ouvrir des cristaux parce que là, je comptais vraiment pas user les 24. Les 24 de. C'est pas grave, de toute façon, là, j'en ferai plus avant ma grande ouverture, hein, de toute façon. Ça, c'est clair et net. Donc, avant d'avoir des persos plus intéressants, ça aurait été bien d'avoir. Non, pas ça, pas ça, pas ça. Ça fait une vidéo très très longue, du coup j'ai passé énormément de temps sur Wolverine, hein. Je suis désolé. Ah, c'est bien ça. Une réanimation en plus, ça me fait du bien. Trois réanimations en plus, c'est sympa. C'est sympa, c'est sympa. Voilà. Alors ça fait longtemps que j'étais plus arrivé à 0, 0 cristaux. Donc là, j'en ai 47. Donc là, je pense, franchement, j'espère finir quand même. J'espère finir, hein, avec ce que j'ai là quand même. Enfin, j'espère finir. Si je finis pas, je finis pas, hein. Enfin, j'utiliserai les autres, hein, mais je veux pas utiliser d'unité, c'est sûr. C'est sûr. Donc là, je peux aller jusqu'au bout de la vie de deux. Personnage. Plus réanimé. Hein, plus réanimé. Parce que j'ai de nouveau une réanimation et deux petites. C'est pas grave, hein, je vais me refaire en potion, hein, de toute façon. Voilà. Donc comme ça, on pourra faire presque 3. Donc je pense qu'en 3 fois, je peux le faire quand même. Enfin, j'espère quand même. Du coup, là, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut donc que je fasse ma première attaque. Il faut absolument que j'arrive à la faire. Du coup, et essayer de lui faire lâcher à chaque fois sa première attaque.
Ah ouais, mais... Ouais, super. Super. 5, c'est parfait. Ah mince. Mince, j'ai pas géré. J'ai pas géré du tout. Ouais, mais du coup, ça réduit sa compétence défensive. C'est super ça. Oh mince. Mince, mince, mince. J'ai pas géré, mais franchement, ça va. Je crois lui avoir enlevé 40 000 vies. Si je lui ai enlevé 40 000 vies, je suis sûr de bonne base. Je suis vraiment sûr de bonne base. Ouais, je lui ai enlevé 40 000 vies. Donc c'est plutôt pas mal, c'est encourageant. Du coup, on va se réanimer avec ça. On va utiliser les 4. Les 8 ici. On va les prendre dans la réserve. Je suis désolé, hein, ça dure vachement longtemps, mais j'espère qu'au moins ça vous servira à vous ne pas faire les mêmes erreurs que moi. Donc j'ai fait moins d'erreurs que quand même dans l'autre vidéo, dans le round 3. Mais j'ai quand même fait vachement d'erreurs. Hein. J'ai fait des erreurs que normalement je ne dois pas faire. Réanimation. Récompense, ouais, pas mal. Pas mal. Du coup... Là, on est parti. C'est la dernière partie, là, c'est sûr. Plus besoin de sortir du... Plus besoin de sortir, là. Du coup, je vais remettre encore un peu de vie à Vaudou. J'en ai combien, là? 25. Voilà. Donc, avec 7. Et j'en aurai 18 pour lui remettre tout ce qu'il a perdu après. Allez, j'espère le faire en deux fois. J'aimerais bien le faire en deux fois, s'il vous plaît. Ça serait super de le faire en deux fois. Donc là, faut plus que je me gourre et que je fasse... là, faut vraiment que je fasse à fond... à fond, à fond, à fond... La première attaque en... En combo pair, hein, c'est sûr. Non, non, non. Non, c'est pas possible. Mais... Il veut pas la lancer. Ouais, c'est bon. Super, super. Ouais. Non, non, non. Là, on fait pas n'importe quoi comme ça. Ah là 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 là, je fais n'importe quoi. Là, je vais jamais le faire en une fois. Là, c'est impossible que je lui enlève tout. Il va lui rester 60 000. Ah, je fais n'importe quoi là. Je fais n'importe quoi. Pff, il lui reste... Ouais, 56 000. Pff, je vais enlever 30 000. C'est ridicule, c'est ridicule. Ah là là, ça m'énerve, ça m'énerve. Et eh ben j'ai plus rien pour m'animer après, pour me régénérer. Donc, enfin, si, j'ai encore des trucs, mais j'ai pas envie de les utiliser. C'est pas normal que j'utilise autant de soins. Après, c'est sûr, j'ai utilisé moins de réanimation. Enfin, moins. J'ai quand même tout utilisé ce que j'avais. Hein. Et en plus, j'ai consommé tous les cristaux que j'avais. Ah oh, non, 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 mais c'est pas possible. Léo, tu fais n'importe quoi. Allez, lance-la, là. Lance-la, lance-la, vraiment, là. Oh non, non, mais non, c'est pas possible. Mais non, mais je l'ai même pas tapé, Léo. Putain, c'est ouf. Désolé d'être vulgaire, mais là, c'est pas normal, quoi. Putain. Fais chier, quoi. Merde. Putain, c'est pas... J'ai enlevé 5000, 2000, 2000, j'ai enlevé...
On va voir avec Crossbones. On va voir avec Crossbones, mais ça m'énerve. Ça m'énerve vraiment. Là, je suis vraiment, vraiment énervé contre moi-même. Hein. Moins que qu'au round 3, parce qu'au round 3, c'était beaucoup plus de façon intense. Mais là, franchement, ça m'énerve. Ça m'énerve vraiment, je fais n'importe quoi. Oh non, mais putain, c'est ouf! C'est ouf! C'est ouf, ben je peux plus. Je vais pas utiliser d'unité, c'est pas possible. Je vais pas utiliser d'unité, je ne le touche pas. Je ne le touche pas, ça fait deux combats que je le touche pas. Je lui ai enlevé combien là? 1000! 1000! À ce niveau-là, c'est une faute professionnelle, mais c'est ouf! C'est ma dernière réanimation. Voilà, c'est ma dernière réanimation. Super, j'utilise en plus des gros soins. Hein. Super, super, j'adore. Là, je joue comme une grosse merde. Comme une grosse merde. Excusez-moi d'être impoli comme ça, mais ça m'énerve. C'est incroyable. C'est incroyable. Quand j'ai vu le round 4, je me suis dit, franchement, ça va être plus facile que round 3. Et là, franchement, je fais n'importe quoi. En même temps, pour ma défense, ils m'aident pas parce qu'il est vraiment casse-couille. Il est vraiment casse-couille. Il lance aucune fois sa première attaque. Là, il la lance. Voilà, mais il la lance une fois comme ça, par-ci, par-là. Quand il veut, quoi. Alors ça, par contre, c'était pas grandiose, ce que je viens de faire. Parce que là, il a juste... J'ai de la chance. Là, je suis sur une bonne série, là. J'étais sur une bonne série, mais là le problème c'est que si il a fait pas. Ouais, forcément, du coup, il n'y a plus de. J'ai plus de furie comme j'attends longtemps. C'est ça le problème en fait, c'est que du coup, il me fait attendre longtemps. Voilà, là je l'ai fait, c'est le seul moment où je peux la faire, vraiment de façon optimale. Allez, on y est bientôt là. Oui, super. Allez, on peut y arriver là. Oui, super, ça va le faire. Oui, super, c'est bon, oui, c'est bon. Ouh, quand même. Bon, bah en fait, Crossbones, c'était mieux que Docteur Vaudou pour le faire. Hein. Voilà, j'ai un peu raté. Hein. J'ai vraiment beaucoup raté avec Docteur Vaudou. Il m'aura quand même servi, hein, il m'aurait servi. Mais Crossbones, c'est carrément plus... voilà, il sert beaucoup plus à cause d'armure à pointe, bien sûr. Hein. Dans les bandes protection, il va me servir énormément également, mais je pense que paradoxalement, Docteur Vaudou va servir plus contre des ennemis contre protection que contre des ennemis qui ont armure à pointe, parce qu'il prend vraiment trop cher à cause des résistances physiques. Donc là, normalement, il n'y a plus d'armure à pointe, je crois, au prochain. Donc là, je vais juste regarder un peu ce que c'est la borne. Donc c'est protection. Voilà. Donc on sait maintenant, c'est protection. Donc voilà, je vais essayer de me préparer, hein, de reprendre des cristaux gratuits, de reprendre un stock d'objets conséquents. Et de toute façon, je pense utiliser des unités pour le round 5 et 6. Mais avec une borne protection, voilà, je pense que ça se fera plus facilement quand même. Donc on est à 41% d'explorer. Ça laisse présager une grosse chose pour le chapitre 5 et 6. Je pense que le 6 va être énorme.
Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, donc que vous aurez pu voir à peu près toutes les erreurs qu'on peut commettre dans ce round. J'en ai commis pas mal, déjà dans la composition de mon équipe, donc j'aurais jamais dû mettre Guillotine. Enfin même Guillotine m'a un petit peu servi quand même, mais Guillotine et surtout Rocket, parce que voilà, Rocket a vraiment servi à rien à part régénérer Wolverine, ce qui est vraiment négatif pour moi. Donc voilà, il a vraiment servi à rien. J'aurais dû prendre Elektra en plus, je vous avoue. Elektra m'aurait vraiment fait du bien sur ce round. Mais malheureusement, elle est en quête d'alliance. Et comme on l'a pas terminé, cette quête d'alliance, bah du coup, comme on est en quête d'alliance 6, je ne peux pas l'avoir. Et je devais vraiment faire cette vidéo là, avant de commencer le versus de Diablo. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter comme d'habitude. Si ça vous a plu et ça vous a servi, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche pour savoir quand je publie des vidéos. Si c'est pas déjà fait, bien sûr. Si c'est déjà fait, c'est super. Partagez également ma chaîne autour de vous. Je vous le répète souvent, mais voilà, ça me fera connaître et ça fera que voilà, je serai encore plus motivé à vous faire des vidéos, même si je suis super motivé déjà en ce moment, hein. Et voilà, donc je vous souhaite une bonne journée et un bon jeu à tous et bon VS de Diablo pour ceux qui participent. Allez, salut, à la prochaine.